Bonjour à toutes, donc ce petit tuto ça sera pour faire ce petit chausson. Donc un petit chausson très mini. Donc là je le tricote avec des aiguilles 2 et demi. Et bien sûr la laine 2 et demi. Ce sera de la laine très très fine. Simple, comme vous voyez, c'est du point de mousse, hormis ben voilà, l'aiguille sera plus petite que d'habitude, hein, donc c'est un 2,5. Hein. Donc point de mousse, il y aura du jersey ici pour faire l'effet roulotte, hein, un petit peu roulé. Hein. J'aime bien, ça change un petit peu des chaussons. Et bah vous avez vu, hein, sur la chaîne, il y a le petit tuto pour... bah je vous montre comment on fait la petite, le petit lacet, une petite cordelette. Donc vous pouvez très bien utiliser pour autre chose. Je trouve que ça fait fini, ça reste ben dans le thème du tricot et je trouve que ça finit bien le chausson. La difficulté de ce chausson va être... Vous voyez ici, hein. Alors c'est des torsades. Et vous allez me dire, les torsades, on l'a fait avec une aiguille à torsade. Eh ben non. Là, j'ai trouvé, donc c'est le tuto n'est pas de moi. C'est une dame espagnole qui fait ce modèle-là. Et... je l'ai trouvé super sympa avec le motif de la torsade mais avec des aiguilles droites, donc ça moi j'ai trouvé ça super et que bah, si vous suivez bien les indications c'est très facile à faire au final, donc si vous êtes bien concentré et vous suivez bien. Parce que je vais filmer toute la partie ici, hein, mais vraiment du démarrage à la fin du motif, hein, pour vous montrer vraiment tout ce qu'on fait et l'évolution quand on voit le petit motif se faire aussi. Donc vous allez voir le tuto en entier. Hein. Et donc c'est un peu la difficulté, mais au final, j'espère que vous allez réussir à suivre et comprendre ce que je vous dis. Il n'y a pas vraiment de difficulté parce que c'est des mailles à l'endroit, des mailles à l'envers, diminution. Au final, c'est vraiment adapté aux débutantes. Et moi, je trouve pas très compliqué le modèle au final. Et ben, j'espère qu'il vous plaira. Pour ceci, donc, ça sera avec une laine, donc j'ai dit 2, 2,5, des aiguilles 2,5. Et on commence par monter, je sais plus, 43 mailles. Oui, j'ai eu un trou. On monte 43 mailles. Et puis ben, je vous retrouve pour vous expliquer comment faire le chausson. À tout de suite. Une fois avoir monté nos 43 mailles, nous allons faire un rang tout à l'endroit. Donc ça sera le premier rang, tout à l'endroit. Donc, et je vous retrouve une fois fini le rang tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois qu'on a fait le premier rang tout à l'endroit, on va commencer les augmentations. Donc on fait une maille, on tricote une maille et on va faire
deux mailles dans la même. Donc je tricote une première fois, je fais pas glisser et je retourne dans la même maille pour la tricoter une deuxième fois. Une fois que j'ai tricoté mon augmentation, je fais 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, je refais une augmentation. Donc, je tricote deux fois la même maille. Donc là, je tricote une première fois. Je fais pas glisser. Je reviens, je la reprends par derrière. Et je la tricote une deuxième fois. Hop. Et j'ai tricoté deux fois la même maille. Là, je fais une maille individuelle et je refais une augmentation. Donc, je tricote deux fois la même maille. Une fois avoir fait l'augmentation, je tricote 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et je fais une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille. Et une maille. Je tourne mon travail et je fais tout le rang à l'endroit. Donc on va faire un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit. Comme on est sur du point mousse, donc ça sera tout à l'endroit. Donc je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Le deuxième rang d'augmentation. Donc là, on tricote deux mailles, hein, donc toujours à l'endroit, vu qu'on ne fait que du point mousse. Donc deux mailles, une augmentation. Donc je tricote deux fois la même maille. Je tricote 18 mailles individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je fais une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille. Je tricote 3 mailles individuelles, 1, 2, 3. Je fais une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille. Et là, je retricote 18 mailles individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 et 18. Et là, je fais une augmentation. Donc, je tricote deux fois la même maille. Et je finis par deux mailles à l'endroit. Une et deux. Je tourne mon travail. Et là, je fais un rang tout à l'endroit. Et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. À tout de suite. Une fois terminé notre rang tout à l'endroit, donc là on va faire le troisième rang de diminution. Donc là je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Une augmentation. Oui, c'est notre troisième rang d'augmentation. Je crois que j'ai dit une bêtise. Donc, je tricote deux fois la même maille. Je tricote 18 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. Une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille. Je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation, donc deux fois la même maille. Donc je prends ma maille, je la tricote, je ne fais pas glisser la maille qui est sur l'aiguille gauche, je viens la reprendre par l'arrière et je la tricote une deuxième fois. Donc là, j'ai fait mon augmentation. 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Mon augmentation, donc deux fois la même maille. Voilà. Et les trois dernières. 1, 2 et 3. Une fois avoir fait mon rang de diminution d'augmentation, je fais tout à l'endroit. Donc, vous avez vu, on fait un rang d'augmentation, un rang tout à l'endroit. Et je vous retrouve à la fin du rang tout à l'endroit. Donc on va tricoter le quatrième rang d'augmentation. Donc là on tricote 1, 2, 3, 4, une augmentation, deux fois la même maille, 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Une augmentation, donc je tricote deux fois la même maille. Je fais 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une augmentation, je tricote deux fois la même maille. Je tricote 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je fais une augmentation, je tricote deux fois la même maille et je tricote les quatre dernières. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Et donc là, je fais un rang tout à l'endroit. Et on se retrouve pour le dernier rang d'augmentation. À tout de suite. Donc le dernier rang d'augmentation, on tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Voilà. 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je tricote deux fois la même maille, donc je fais mon augmentation. Je tricote 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, une augmentation. Et 18 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Une augmentation, donc deux fois la même maille. Et les cinq dernières. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on a fini la semelle. On va maintenant travailler 10 rangs au point mousse. Donc normalement, alors si vous vous êtes pas trompé, vous avez bien suivi, on a 63 mailles au total sur l'aiguille. Et on fait maintenant 10 rangs au point mousse. Donc, hop. Donc là, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Donc comptez bien que vous avez bien 63 mailles. Et on est parti pour faire 10 rangs au point mousse, donc tout à l'endroit. Et une fois qu'on a fait les 10 rangs, je vous retrouve. À tout de suite. J'ai dit une bêtise, c'était pas 10 rangs qu'il fallait faire au point de mousse, mais 11. Donc il vous en manque un, donc
faudra le faire. Hein, parce que j'étais partie sur 10 rangs, mais je me suis rendu compte que c'était pas 10, mais 11. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Une fois fait nos 10 rangs. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire le dessus du chausson. C'est-à-dire... Alors, j'ai fait un prototype grande taille. Hein. J'ai voulu le faire avec une grosse laine, mais ça rend pas bien. J'aime pas. Enfin, bref. C'est surtout ceci que je voulais vous montrer. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Je trouve qu'il y a... La couleur est tellement claire que j'ai l'impression que ça flash dessus. Ça fait des petites torsades. Et normalement, quand on fait des torsades, on a besoin de ceci. Une aiguille à torsade. Et ben là, non. On ne fera pas de torsade avec ceci. On va faire nos torsades tout simplement avec des points à l'envers, des points à l'endroit, une diminution, des rajouts. C'est très simple. Et moi, je trouve que ça rend super sympa. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ça fait un motif torsadé, mais c'est avec des aiguilles droites. Donc voilà, ça va être le dessus du chausson. Donc là, on a fait la semelle, les 10 rangs, les 11 rangs au point mousse, hein, c'était juste pour faire le 2 ici là et là maintenant, donc à partir d'ici, donc on est là, hop, on est là, on va attaquer les torsades. Alors je vais vous montrer comment on fait. Et il y aura 1, 2, 3, 4 motifs à faire. Donc il y aura des répétitions de ce que je vais vous expliquer à faire. Alors je vais essayer de filmer pour faire toutes les torsades avec vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc voilà, on est parti pour faire les torsades. Pour ceci, on va commencer à tricoter 8 rangs. Oh, décidément, moi j'ai du mal aujourd'hui. C'est pas 8 rangs, c'est 28 mailles à l'endroit. J'ai dit que des bêtises aujourd'hui, je trouve. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc voilà. Donc, on va commencer maintenant le motif du dessus du chausson. Donc, pour commencer, on va faire 2 mailles envers. Donc, 2 mailles, donc 1, 2 mailles à l'envers. On va faire 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles. Et on vient prendre, vous voyez, 1, 2, 3 mailles à l'endroit.
je viens prendre ma première maille à l'endroit et je la passe par dessus les deux mailles. J'espère que... Hop. Je recommence. On a tricoté trois mailles à l'endroit. Donc elles sont là. 1, 2, 3. J'espère que vous les voyez bien. Ma première maille à l'endroit que j'ai tricoté, je viens la passer par-dessus les deux qui sont ici. Voilà. Et j'ai mes deux mailles à l'endroit ici. J'espère que c'est compris. Une fois fait ça, on fait deux mailles à l'envers. Une, deux. Deux mailles à l'endroit. Une, deux. Et on va tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, je les prends comme ceci et je les tricote à l'endroit de mailles ensemble. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on tourne notre travail. On repasse notre fil devant, comme on est à l'endroit. Et on va faire 5 mailles. Donc la première, moi, je la fais glisser. Une. Alors, à l'endroit. Une. Deux. 3, 4 et 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Un jeté. Donc on pose le fil sur le sur l'aiguille. Et on revient faire une maille à l'envers. Un jeté, une maille à l'envers. J'espère que c'est compris. Donc on fait une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Une fois qu'on a fait ceci, on fait 4 mailles à l'endroit. Une, deux, trois, 4. Et on termine par deux mailles ensemble à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Le rang numéro 3, on va faire 3 mailles à l'endroit. Donc la première, je la fais glisser. 2 et 3 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers, trois mailles à l'endroit, une, deux et trois. Deux mailles à l'envers, une, deux, deux mailles à l'endroit, une, 2 et 2 mailles ensemble pour faire une diminution à l'endroit bien sûr. Et je retourne mon travail. Le rang numéro 4, on va faire 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles envers. 1, 2, 3 mailles envers. 4 mailles à l'endroit. 1. Donc on était à 4 mailles à l'endroit. Donc j'ai fait 1, 2, 3. 4 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, la diminution. Une fois fait ça,
On va faire le rang numéro 5. 3 mailles à l'endroit. Donc je fais la première glissée. 2. 3 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 1. 2. Et là, je vais faire 3 mailles à l'endroit. 1. 2. Et 3. Et je vais faire comme tout à l'heure. Donc j'ai mes 3 mailles ici à l'endroit. Je prends la toute première que j'ai tricotée, donc qui est là, et je vais la faire passer par-dessus les deux là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, et 2 mailles ensemble pour faire la diminution. À l'endroit, bien évidemment. Je tourne mon travail. Et là, on va répéter ceci, le rang 2, 3, 4 et 5, pour faire... Alors là, on a fait un premier... Je ne sais pas si vous voyez bien. Un premier motif. Et on en a 4 comme ça à faire. Et pour faire ces 4-là, il faut répéter le rang numéro 2, 3, 4 et 5. Donc, on reprend au rang numéro 2, 5 mailles à l'endroit. Donc, je fais glisser ma première. 2, 3, 4 et 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Un jeté, donc je pose mon fil sur l'aiguille et je viens faire une maille à l'envers. Quatre mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Les deux ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail et je fais 3 mailles en droit. Donc je fais la première glissée, 1, 2, 3 mailles en droit, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, et 3, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 2, et on finit par 2 mailles ensemble à l'endroit. Le quatrième rang. On fait 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4. Ça a coupé, donc je reprends. Je disais donc 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je retourne mon travail. Là, vous pouvez voir, on a fait un deuxième motif.
les deux motifs. Donc on reprend. Trois mailles à l'endroit. Donc je fais glisser la première. Un, donc ça me fait deux, trois mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Une, deux. Trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois. Et là, vous vous souvenez qu'on prend celle-ci, donc la première maille à l'endroit, qu'on passe par-dessus les deux autres. Voilà. Et on fait deux mailles à l'envers. Une, deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Une, deux mailles à l'endroit. Et deux mailles ensemble. À l'endroit. Tourne notre travail. Et on reprend le rang numéro 2. 5 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 3, 4, 4 et 5. Une maille à l'envers. Un jeté. Donc je pose le fil sur mon aiguille et je viens refaire une maille à l'envers. Et je fais 4 mailles à l'endroit. Une, 2, 3 et 4. Et je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne notre travail et on va faire le rang numéro 3. Donc 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 2 mailles à l'envers, 1, 2, et on termine par 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tourne notre travail. Le rang suivant, 5. Donc, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble à l'endroit. On tourne notre travail et là on fait 3 mailles, donc 1, 2, 3, donc c'est 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2,
trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. On prend la troisième, donc la toute première maille à l'endroit. En une, deux, la troisième. Qu'on passe, je sais pas si vous voyez, hein. Une, deux, trois. Je la prends pour la passer par-dessus les deux autres qui sont ici. Ah, sans perdre de maille si possible. Voilà. Non, c'est bon, je n'ai pas perdu. Et donc voilà ce que ça donne. La troisième, je l'ai passée par-dessus ces deux-là. Et là, je fais deux mailles à l'envers. Une, deux. Deux mailles à l'endroit. Une, deux. Et deux mailles ensemble à l'endroit. Et je tourne mon travail. Et là, vous voyez, alors, avant de tourner, vous voyez, ça fait 1, 2, 3 motifs. Reste plus qu'un fer. Donc, on reprend 5 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une maille à l'envers, un jeté, donc je pose mon fil sur mon aiguille de droite et je viens faire une maille à l'envers. Donc une maille à l'envers, un jeté, une maille à l'envers. Et je viens faire 4 mailles à l'endroit. Une, 2, 3 et 4. Et je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Et là, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 3 mailles en droit, donc 1, 2, 3, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, et je termine par 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail et je fais 5 mailles à l'endroit. Donc 5 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tourne mon travail. Et là, je fais mon dernier rang pour mon motif. 3 mailles à l'endroit. Donc je vais glisser. 1,
de 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, et je viens prendre la troisième, donc 1, 2, 3e, pour la passer par-dessus les deux autres, sans perdre de mailles. Voilà, ça fait ça. 2 mailles à l'envers, 1, 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, et là je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on a fini nos motifs. J'ai bien 1, 2, 3, 4 motifs. Après avoir fait ma diminution, eh ben je termine le rang. Donc je fais tout à l'endroit jusqu'à la fin. À l'endroit jusqu'à la fin. Je tourne mon travail et je fais tout à l'endroit jusqu'à l'autre bout. Mais voyez ici le petit écart qu'il y a là. Donc ici on a les motifs et juste à côté il y a un petit écart. Et bien là on va faire une diminution et on terminera le rang. Donc on va aller jusqu'au petit écart de l'autre côté du motif en fait. Donc, tout à l'endroit. On reprend notre point de mousse, donc tout à l'endroit, hop, on fait tout le côté, on tricote où on a fait le motif, là on y arrive sur le motif, voilà. Donc tout à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Vous voyez, là on a le notre petit écart. Là, on le voit bien. Hein. Ah. Et ben on va faire. Donc voilà, je garde celle-là et celle-là. On va la tricoter ensemble, comme on a fait à l'endroit. Les deux en même temps à l'endroit. Et une fois fait la diminution, on tricote tout jusqu'au bout. Voilà ce que ça nous donne. Petit relief. Hein. Donc, notre petite torsade. Là, on a fini le dessus du chausson. Maintenant, on va faire des petits trous hein, pour passer un cordon. Un cordon ou un ruban, suivant comment vous le souhaitez. Hein. Donc, pour faire les petits trous, il n'y a rien de compliqué. On va faire 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, donc on vient poser le fil sur l'aiguille. Et on va tricoter 2 mailles ensemble. À l'endroit. Alors, voilà ce que ça fait. Une fois qu'on a fait la diminution, donc on fait 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Une,
2, 3 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, donc je pose mon fil sur l'aiguille, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, je pose mon fil sur l'aiguille, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on termine par 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Voilà, on a fait nos petits trous. Et maintenant, on va faire 14 rangs de points mousse. Donc, tout à l'endroit, 14 rangs. Donc là, je ne me trompe pas, c'est vraiment 14 rangs. Donc, tout à l'endroit, et on est parti pour 14 rangs. Par contre, moi, je vous retrouve à la fin des 14 rangs. Parce que je ne vais pas filmer mes 14 rangs. Ça ferait trop long pour la vidéo. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, vous faites 14 rangs tout à l'endroit. Donc, le point mousse. 14 rangs. Et je vous dis à tout de suite. Et vous voyez, ça fait des petits trous pour passer nos rubans, donc des boutonnières pour être plus dans les termes exacts. Moi, sur les chaussons, j'appelle ça des petits trous, mais bon, normalement, ça s'appelle des boutonnières. Donc là, vous allez vous rendre compte ce que ça fait. Donc voilà le premier rang. Et vous voyez, on voit bien les trous pour passer le ruban ou donc là, j'en ai un là et là. Pour passer en fait, donc on voit bien les trous pour passer soit un ruban ou un cordon, comme on le souhaite. Donc voilà, nous on a fait le premier rang, là j'ai fait le premier rang au point mousse avec vous. Donc il en reste encore 13 à faire, donc au total 14 rangs au point mousse. Et je vous dis, rendez-vous au 14e rang point mousse. Donc nous voici, une fois fini de faire nos 14 rangs au point mousse. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire 6 rangs de jersey, rabattre le travail, garder du fil pour la couture. Donc, il ne reste plus que 6 rangs de jersey à faire. Les 6 rangs de jersey, il est où mon chausson ? Donc sur mon prototype que j'ai fait, ça fait ça. Là, on a nos 14 rangs de points mousse et ici 6 rangs de jersey.
Et en fait, ça, comme le jersey, il roulotte. Et ben moi, je trouvais que ça faisait sympa pour une petite finition roulottée. Une petite bordure, ce qui change un peu des chaussons qu'on a l'habitude de faire. Donc, je trouvais que ça, c'était sympa, ça change. Donc, donc là, on va faire les 6 rangs de jersey. Une fois qu'on a fait les 6 rangs de jersey, on rabat tout. On garde du fil parce qu'il faudra coudre. Alors, hop, si je mets sur mon fil, ça sera mieux. Une fois qu'on a fait nos 6 rangs, donc il y aura tout ce côté-là à coudre. Et ici, la semelle. Donc, gardez du fil quand vous allez arrêter votre travail. Gardez une bonne longueur pour faire toute la couture de haut en bas. D'accord ? Donc, je vous laisse en faire les 6 rangs de jersey. Pour celles qui ont oublié comment on fait le jersey, vous allez sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui vous explique comment on fait le jersey. Et c'est tout simple, un rond à l'endroit, un rond à l'envers. Et une fois que vous aurez fini le jersey, donc vous rabattez. Donc ça sera le 7e rang, vous rabattez. Et vous gardez du fil et on se retrouve pour la couture. A tout de suite. Donc voilà, et vous voyez, hein, ça roulotte naturellement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à ça fait ça, ça rend comme ça. Il n'y a plus qu'à faire la couture. Hein. Donc j'espère que vous avez gardé assez de fil hein, quand vous avez rabattu. Hein. Vous voyez, j'ai fait mes six ronds de jersey. Hein. Donc là, je prends un bout à l'autre pour les réunir. Les mettre bord à bord pour être sûr de bien commencer ma couture. Voilà, hop. Donc comme c'est du jersey, il y a des petits bâtons dans les petits baies hein. Là moi c'est ce que je vais faire, deux petits bâtons ici, il y a des petits baies, j'en prends deux là. Hop, deux bâtons ici. Deux bâtons là. Hop. Deux bâtons, j'en ai un, je suis là. Deux bâtons. Et les deux autres, dernier. Et après, je passe sur le point de mousse. Alors, sur le point de mousse... Alors, je sais pas si vous voyez, là j'ai fait exprès justement de ne pas faire de maille lisière pour obtenir des petites boules. Et ces petites boules, eh ben, je vais prendre une petite boule ici. Alors je suis là, on va aller en face. Et ça forme comme, je sais pas si vous voyez, hein, là, ça forme comme une petite boule. Hein. Donc je prends cette petite boule là, je pique dedans. Et je vais en face, je pique dans la petite boule qui est en face. Et en faisant ça, la couture se voit pas. Et on a la sensation eh ben, que le point il continue en fait. C'est la continuité du point. Et on ne voit pas la couture. Je sais pas si vous voyez hein, ce que ça fait. La couture, on la voit pas. À l'envers, ça se voit. Mais à l'endroit, ici, côté où on va voir, côté dont ça se voit, on voit rien. C'est discret. Donc, je vais faire ça comme ça, tout du long. Et on se retrouve une fois fini la couture. Donc, voici le chausson, une fois fini, cousu. Voilà. Tout nickel, hein, tout beau. Donc, avec la petite cordelette, hein, dont il y a le tuto sur ma chaîne. Vous pouvez aussi bien mettre un ruban ou autre chose.
J'espère que le tuto vous aura plu. Et j'espère que pour les explications, c'est bien clair aussi. J'espère que vous avez réussi à comprendre et à suivre, surtout à suivre. N'hésitez pas à laisser des messages. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Des petits messages qui me permettent de savoir aussi si vous aimez ou vous aimez pas. C'est plus concluant quand c'est des messages positifs. Mais c'est toujours bon à savoir et savoir rectifier si mes explications sont pas trop claires, si je vais trop vite, je sais pas. C'est pas évident, donc vous êtes les seuls juges pour cela. J'espère être à la hauteur et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et je vous dis encore merci à toutes.